je ne suis pas capitaine. Salut à tous les mecs, salut, c'est Shani. Et on se retrouve, on est dans The Forest. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois où je me suis mis sur The Forest, on avait fini dans une caverne. Mais apparemment, il a sauvegardé que la construction des choses. Donc, on est reparti, période construction, la nuit va bientôt tomber. Et la dernière fois, je me suis fait latter comme un porc pendant la nuit. Alors, on va essayer de se défendre. Ou du moins d'essayer de prévoir de faire des choses intéressantes. Shelter. Moi je vais essayer un Alpine Treehouse. Ouh, une maison dans un arbre. On va choisir celui-là. Elle est comment la maison? Ouais, celui-là il m'a l'air pas mal. Il me faut 32 logs et 18 sticks. Ok. Attends. Et comment je fais pour le choper? Ah là. J'ai déjà des sticks. Où est mon shelter? Il est là. Je passerai la nuit avec. Et on va couper du bois. Allez, coupe. Coupe. Alors les mecs, j'espère que ce premier épisode vous a bien plu de The Forest. Hein. The Forest dans la forêt. Voilà ce qui arrive en fait quand j'ai mangé des champignons et je me suis cru dans une caverne. Dans le dernier épisode, si vous avez vu, j'ai mangé un champignon brun. Eh, ça m'a fait taper une allure, j'ai terminé dans une caverne. On va dire ça comme ça. Tombe par là-bas, j'ai dit. Voilà. Ouh. Hop. Cours. Voilà, on va commencer à construire notre petite cabane dans les arbres. Elle sera jamais terminée pour la nuit, mais au moins on avance. Alors, je sais que j'ai un tronc qui a volé quelque part. Ça doit être toi. Non? Plus loin, peut-être? Non. Il me manque un tronc. Je sais pas où il est parti. Hein. Hop. Et le 3. Du gros bois, pas loin, il y en a. Bon, oui. Je voulais vous montrer ça aussi. Et je me suis renseigné sur le jeu. Vous voyez toutes les dents qu'on a trouvées. Allez. On va les utiliser dans un craft. Alors, j'en ai 6. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on prend le dédent avec du trisap qu'on obtient en coupant les arbres et la hache, on obtient des dégâts augmentés. Alors, est-ce qu'on les voit les dents? Ouais, vous en voyez une à la base, à la limite entre le rouge et le noir sur ma hache. Et donc, ça va faire plus de dégâts apparemment. Là, c'est ma maison dans les arbres. Alors, je n'y touche pas. Allez, coupe. Coupe, voilà, ça donne des sticks. Allume le feu, il est où? Allumez le feu! Voilà. Oh, il est là-bas, mon tronc, vous avez vu? On va aller le chercher. Ah oui, je sais, je peux pas porter plus de pierres. Barrez-vous, conne de mouette. Une tortue. J'adore ce jeu, il est trop beau, niveau visuel. Et il vous plonge dans une ambiance semi-paranoïaque aussi, parce qu'on sait jamais s'il y a quelqu'un, s'il y a personne. Allez. Je ramasse des sticks, je ramasse des feuilles. Crafting de base. Stick. Stick encore. Stick. Yep. Redonne-moi encore une branche. Ouh. C'était quoi ça? Ah oui, il a rajouté, ok. Voilà, on a plein de sticks. Oh, ça fait la barrière en haut, regardez, ils ont commencé à se placer. On a des marches et tout. Oh, elle a l'air cool celle-là. Elle me plaît. Coupe. Ça va me donner des sticks encore. Coupe. Il faut écouter des effets sonores pour savoir si on est observé en fait. Quand vous entendez boum, 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 ou des choses comme ça, ça passe pas. Hein. Allez, coupe-moi ce bois, toi. Vas-y, Rambo. Coupe le tronc. Voilà. Et voilà.
Ça devrait être bon au niveau des sticks. Allez. Et elle est où? Voilà. Wow! Déjà? Viens là, toi. Tiens. Il est où? Chut, ça suffit. Il est où? Il est où son cadavre? Là, double tap. Récupère les dents. Hein. C'est quoi ça? Un bras. Pas de bras, pas de chocolat. calme-toi un peu. Que tu n'as presque plus de vie. Wow, il y en a un en feu. T'as pris feu, connard. Voilà, on passe la nuit, hein? Il fait jour? Yes! Ah 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 ah, une dent. Oh, j'ai pris feu. Non? Ah non, j'ai rajouté des feuilles. On va de suite re-augmenter les dégâts de tout ça. Allez, vas-y. Je sais pas combien il y en a. On va charger à fond, hein? Toi, ajoute-toi-y. Combine. Hop, elle est où? C'est ma hache. Elle est là. Ah, on commence à avoir deux dents pendues là. Oh, regardez ça. Je pourrais rester des heures à regarder ça. Regardez-moi la beauté de la chose. Alors, maintenant... Wow. Je me suis tué comme un gros... Non, mais pourquoi? Bon, ben on est reparti pour la grotte. Elle use lighter. Oui, je veux, s'il te plaît. Eh ben, c'est quoi? Je suis. Voilà. Ah, il croyait que je voulais faire des choses. Alors, par là, c'est mort, y a rien. Et par là, y a quoi? Par là, y a un mec mort. Ok. Et une hache, une vraie. Une avec du poil et tout. Donc, donne-moi ça. Mange un bout pour regagner un peu de vie. Voilà, prends des meds. Voilà, on est reboosté. Oh. Allez, on est dans une grotte paumée. Oui, Shani s'est brûlé avec son propre feu, oui. Bravo, gros malin. Là, c'est fumble, total. Des dents, je peux les récupérer? Donne-moi les. Oh, une corde. Descends à la corde, voilà. Elle... Descends, j'ai dit. Descends. Voilà, on est descendu. Allez. Je veux sortir de la grotte, moi. Oh. Le briquet qui s'éteint parce qu'il est trop chaud. Bon détail ajouté. Oh là là. Allez, passons par là. Par là. J'essaye de trouver la sortie. Hein. Là non, mais là oui. Oh, albinos géant. Passons dans son dos. Il nous a pas vu. Tu m'as pas vu. Des dents. Oh. Je suis tombé chez les psychopathes. De la lumière. C'est le jour? Non, ça a pas l'air d'être le jour. Oh, hardcore. On est chez Predator. Un crâne. Oui, je peux faire un nouveau craft. Un stick. Non, craft, j'ai dit. Un stick. Il est où le crâne? Il est là. Et un crâne combiné. Et toi, tu vas l'équiper. Avec le briquet, s'il te plaît. Non. Et elle est où, Mash? Équipe. Voilà. Récupère un crâne encore.
On va essayer par là. La lumière du jour. Je vois la lumière du jour. Ah, on y est presque. On y est presque. Allez, continue. Ah, ce bruit d'eau. C'est fait pour plonger dans l'ambiance, hein. Il y a quelque chose là-bas, non? Pourquoi je peux pas passer? Voilà. Par là. Fallait grimper sur le mur. C'est logique. Là, il n'y a rien. Il y a un mec où je m'y connais pas. Oh là là, c'est parti gangbang. Vous m'avez pas vu les mecs? S'ils se sont mis à bouger. On va essayer de les contourner. Gentiment, hein. Tout ça dans le respect et l'infiltration. Chut. Pas de bruit. Les gars, dites rien. On les a passés, on les a passés. Yeah, dans l'eau. What the fuck? Je suis où, là? Ok, voilà. Si on peut avoir le briquet, c'est mieux. Donne-moi de la lumière. Ambiance claustrophobique, je vous le dis. Ah. Chut, 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 chut. Assure pas les bébêtes. Je vois rien. Utilise le briquet. Non? Par là, il y a l'air d'avoir la maison. C'est... On va essayer de suivre l'icône de la maison. Par là, je peux rien faire, mais par là. Il y a une sortie par là. Il y a un mur par là. Oh, un chemin. Cool. Ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle... Désolé, je dis vague. Vague. C'est de là où je viens. Ok. Et par là, j'ai vu de la lumière. Et utilise le feu. Par là, il y a une sortie. Cherchons. Ouais, il a l'air de pouvoir passer par là. Non? Non, apparemment, on ne peut pas. Et par là? Ok. Fou. Là, je peux? Je peux ou je peux pas? Non, apparemment, c'était pas prévu pour. Ok. Ouh, j'ai cru que c'était quelqu'un. Ah, allons-y, mollo. Allons-y. En infiltration, presque. C'est-à-dire sans sauter partout. Allez. Par là, il y a quelque chose. Mais utilise le briquet, bordel. Je vois rien. Hein? Je sais plus si je suis passé par là ou pas. Je veux me casser d'ici. C'est tout. Par là. Oui, je suis déjà passé par là. Ok. Ok. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de sortie par là. On va devoir revenir en arrière. Hein. J'ai pas très envie beaucoup, moi. Mais bon. S'il n'y a pas le choix, hein. On va essayer d'éviter les albinos. Et je les appelle comme ça parce qu'ils sont tout blancs. Sans peau ni rien. Je sais pas si t'as vu. Là, il y a de la lumière. Je l'ai vu. Ouais, il y a un chemin. Là, c'est pas un chemin. Si, c'est un chemin. Qu'est-ce que tu me dis? Y'a rien. Y'a rien.
Par contre, par là, il y a quelque chose, c'est ça? Non, même pas. Non, il y a rien. Là, j'ai rien. Je suis paumé. Paumé, paumé. Mais arrête de sauter et rallume ton briquet, Gary. Sérieux. Voilà. Saute. Non, tu veux pas? Ouh là là. Nageons, 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 nageons. Essayons de trouver la sortie. Nageons, 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 nageons. Là, il y a quelque chose? Non. Ouh. Là, je reviens à ce caillou. Par là, il n'y a rien. On va essayer par là. Un cadavre au milieu. Wow, 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 des pics. Je me méfie. Il y a des pics partout. Ouais. Les gens qui vivent là veulent pas être emmerdés. Je crois pas être passé par là. Je reprends le briquet. Et par où il faut passer ensuite? Là, faut remonter. Ok. Pas l'air d'être ça, mais bon, on va essayer quand même. Hop. Là, je peux pas monter plus. Si, je peux monter plus, et juste handicapé. J'ai cru voir quelque chose. Ça, c'est de là où je viens. Là, de là où je viens. Mais arrête de sauter, abruti. Et allume ton briquet. Quand il fait noir, t'allumes. Comment je ressors de là? Ici, sûrement. Ok, les pics, pas bonne idée. J'aime pas ça. On est passé entre. On est passé à un cheveu, mais on est passé entre. Je vais retomber dans l'eau. Je veux pas, moi. J'étais bien sur le bord. Là, il y a un bord. Il y a un albino là-bas, je l'ai vu. Et c'est les murs qui se lotent pas ou c'est la sortie? Ah, c'est les murs qui se lotent pas. Ok. Alors, on est revenu à la salle avec les albinono. Salut, c'est moi, Nono, le gros héros robot. J'aime pas trop beaucoup ça, moi. C'est pas le même bassin. Peut-être il y a une sortie dans celui-là. Ça c'est quoi? C'est une sortie? Non, c'est pas une sortie. Youpi! Toujours pareil, ok. Saute. Saute, abruti, saute. Je suis à un poil de cul d'eux, mais vraiment à un poil de cul. Allez, 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 passe discret. Ouais, c'était Scred. Bon, maintenant. Sortie? Non. Sortie par là? Yes, ça remonte. Par là ou par là, ok. Là, il y a quoi? Oh, il y a un truc par terre. Il y a de l'aignol. Une cassette. Une corde. Oh yeah, ça, c'était bon. Oh, une corde. Je vais pouvoir fabriquer un arc.
Non, toujours pas. Ce qu'il me faudrait là, c'est une lampe torche, sérieux. Il y a toujours mes abrutis là, ils m'ont pas vu, faut pas faire de bruit, je pense. Qui se repère au bruit vu qu'ils vivent en souterrain. D'où le fait que je veuille éviter de sauter. Quand je le peux. Parce qu'ils font dodo, mais peut-être pas pour longtemps. Rallume, 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 rallume. Et avance. Yes. Allez, on repart par là. Ouf. Eh bien, comme je vous l'avais dit, on se le sera fait, la grotte, hein. Là, c'est les albinos, je veux plus y retourner. Là, il y a quoi? Je vais revenir sur mes pas à la fin, mais bon, si je dois trouver la sortie... Hein. C'est le problème des grottes, c'est pas indiqué par la sortie. Ouais, je suis revenu à mes pendus. Une tête? Prends une tête. Oh oui, je commence à avoir faim en plus. Ah là là. Stop. Mange un bout. J'ai pas grand chose en plus pour tenir le coup. Va falloir trouver un remède à, la... à ces conneries. Assez vite. J'avance depuis tout à l'heure, c'est cool. Mais j'aimerais bien trouver la sortie. Allez. Une valise, je suis pas passé par là. Ouvre-toi. Et dis-moi qu'il y a des snacks. Mais ouvre-toi, je t'ai dit. Non. Elle glisse sur l'eau. Elle veut pas. Non, elle veut pas, celle-là. Ok. Ah, c'est peut-être avec cette arme, on peut pas, voyons. Si je prends la hache. Non plus. Ok, je peux pas casser ça. Essayons, essayons. Regardez-moi le sens du détail, quoi. Les racines qui tombent, l'humidité qui est visible partout. Le fait qu'il y a de la lumière là, pourquoi il y a de la lumière là? C'est à côté de chez moi, c'est ça? Ou alors il fait jour. C'est la sortie! C'est la sortie! Maintenant il faut plus que retourner au camp. Y a plus qu'à, comme on dit. Oh purée. Trasos. Casa. Village! Qu'est-ce que quoi? Y a du monde? Je vois personne. Je vois personne. C'est cool. Est-ce qu'il y a des choses à récup'? Oui, il y a plein de choses à récup'. Des sticks. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, je prends. Des thunes. Des pièces électroniques. Sticks. Et du cash. On a quoi d'autre? Des cailloux. J'en ai assez. Ok. Des thunes. Wow, 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 on va devenir riche. Perdu. Hop, il y a quelqu'un. Il est où? Dégage de là! T'as vu la baballe? Tu as vu la baballe? Je vais me montrer méchant avec toi si tu continues. Je te le dis, je vais... Oh, ils sont deux. Ils sont deux. Pas le temps de m'emmerder. Je sais pas quelle heure il est. Reprendre la bouffe, hop. On va essayer d'éviter les problèmes jusqu'à ce que je sois de retour à mon camp. Bordel de bordel. Et j'ai rien à... Lézard ! Lézard, bute-le ! Bute-le, je te dis. Mais bute-le ! Voilà. Ouais, ça je connais pas. Lézard, rebute-le. Va, trop tard, il s'enfuit. On est sur la côte, c'est déjà pas mal. On va revenir.
c'est que ce bordel, il fait déjà nuit. Aïe, je vais charger. Tant pis. Voilà, il faut que je prenne des trucs. J'ai besoin de bouffe, là. Des vêtements. Bubble. J'ai trouvé une bubble. De la bouse, je peux pas en prendre plus. De l'alcool, pour ceux qui savent, parce que c'est la bouse en anglais. La gnole. Il y a de la bouffe. Ah, cool. C'est quoi, ça? Caillou. Faudrait que j'arrive... Oh, baisse-toi. Voilà. Et toi, tu ramasses les dents. Juste les dents. Il fait déjà nuit, j'y crois pas. J'y crois pas. Dans pas longtemps, je vais voir que dalle. Oh, on s'en fout, on survit sur l'île. En fouillant des sacs de demoiselles. Allez. Allez, handicapate. Ouvre. Close. De la bouffe encore, cool. Putain, je vais me buter des mouettes, moi, si ça continue. Yes, des meds. Done. Et nous voilà de retour au camp. On va essayer de zapper la nuit assez vite, hein. Allez, allez. Il y a déjà quelqu'un, non? Non. Ah, voilà. On est mieux. On est mieux dans son camp douillé. On va éviter de se faire cramer les pieds comme un gros porc. Ça, c'est les restes de mon feu, c'est ça? Ils l'ont buté. Ils ont buté mon... Non, on peut le rallumer. C'est cool. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, première étape de survie, on prend un lézard, on appuie sur C quand on est près du feu, et il se met à cuire. Et restez bien à côté, parce que s'il cuit trop, il disparaît. Allez, 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 allez. Pendant ce temps, je vais boire un coup de café. Oui, parce que le chenille qui survit, c'est pas le même que celui qui tient la souris, hein. Et lui, l'autre, il a besoin de café. Et vous voyez quand apparaît le petit Pac-Man, là? Eux, on le mange. Miam, miam, nourriture à fond. Bon, c'est parti. On continue. On a une déforestation à faire. Et vous voyez, j'ai l'impression, quand je joue à ce jeu, de jouer à une version mais Minecraft, mais vraiment pour adultes. Où hein, là, quand tu coupes du bois, tu coupes du bois, donc tu martèles ta souris. Et vas-y, il faut bien viser en plus, sinon... Regardez, si je vise là, ça coupe plus rien. Faut vraiment couper là. Alors la petite astuce que j'ai trouvée, c'est on peut diriger le tronc quand il tombe en le poussant en sautant. Vous voyez, là il va tomber en face. On peut porter jusqu'à deux troncs, on y va en courant. Est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose? Yes. Comme ça, vous voyez, quand ils attaqueront en bas, ben moi je me planquerai en haut. C'est le but de la journée d'aujourd'hui. Allez. Et je le fais en cam avec vous parce que... Je l'aurais pas terminé aujourd'hui, mais au moins on avance et... N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des astuces si vous en avez sur le jeu, parce que alors là j'en ai besoin et moi je le connais pas du tout le jeu. Il y a un stick par terre, ramasse-le, voilà. Tape au bon endroit. Et je veux le diriger vers la cabane. Voilà. Coupe-moi ça, allez, coupe. Mais coupe, abruti, coupe. Voilà, saute maintenant, saute vers là-bas, vers là-bas, vers là-bas, vers là-bas. Et je l'ai déjà poussé, tombe vers là-bas. Yes. Allez, hop. Et hop. Voilà, on commence à déforester un peu tout ça. On va avoir un petit périmètre de sécurité comme ça autour de la cabane. Je voulais vous montrer. Vous voyez, il y a des cabanes préfaites, comme vous pouvez le voir, mais il y a aussi
Voilà, des choses qu'on peut faire soi-même, donc des murs défensifs, des murs avec portes, fenêtres, on continue, on a des escaliers, des plateformes, donc on a un peu de liberté au niveau construction qui vont faire des choses sympas, des pics de défense. Il y a quoi d'autre? Des fondations, des murs expérimentaux. Ils ont rajouté ça il n'y a pas longtemps. Le stick marker, ça c'est pour avoir un marqueur sur la carte si vous avez des endroits intéressants. Chemin de bois. Et après voilà, un gazebo. On fera ça aussi, un gazebo. À quoi ça servirait? Pourquoi j'en aurais pas un? Hein? Pourquoi j'aurais pas un? Meurtre de tortue! Meurtre de tortue! C'est quoi ça? Manger des champignons? Non, la dernière fois ça m'a fait terminer dans la caverne. Hors de question. Hors de... Wow! Chut! Il y a tout un troupeau de baltringues là. M'avez pas vu, vous m'avez pas vu, j'existe pas. Je suis pas le mec qui coupe du bois depuis tout à l'heure. C'est pas moi. Si je me mets à taper, est-ce qu'ils vont entendre? C'est ça que je me demande. Là. Non, ils réagissent pas, c'est bon. Ok, on va se faire ce dernier tronc, puis on se quittera là-dessus. Et on se retrouvera dans un prochain épisode de Survivre en forêt avec Shani. Donc mon but, avant qu'on se quitte et pendant que je finis de couper ce tronc quand même, je vous le dis avant de vous quitter. Oh, ils sont suivis par une espèce de bonhomme chien là, qui saute partout. Le but, ça va être de construire une vraie base fortifiée, avec accès par porte, fenêtre, et on va essayer de farmer ces salopards avec des pièges. 14, allez. Il m'en a donné deux autres, c'est ça? Un. Et deux. Et voilà. Wow. Il m'a pas vu, je vais aller lui péter la gueule. J'ai full life, prends la hache. Hey, Morissette. Attendez, déjà, on va rigoler. Ciao! Ben, en fait, c'était l'invité de l'émission, mais il avait pas envie de jouer avec nous. Alors, les mecs, il me reste plus qu'à vous dire que si t'as apprécié l'épisode et que tu veux voir plus de The Forest, avec l'accent anglais, s'il te plaît, eh ben, tu cliques sur j'aime et tu t'abonnes pour recevoir toutes mes vidéos où je teste différents jeux, pas mal de Minecraft parce que j'aime bien construire sous Minecraft, mais aussi d'autres jeux. Et je vous remercie à tous du soutien que vous m'apportez dans les commentaires. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire, on va les sauvegarder et tout pour dire que. Maintenant, je sauvegarderai à chaque fin d'épisode. Comme ça, ce sera bon. Sauvegarde. Et voilà, les mecs. Passez une bonne journée. Soyez heureux. Peace.